Due to the coronavirus pandemic, the aviation field is facing an unprecedented situation. Many of you are dealing with its consequences directly or indirectly. On this special occasion of Eid al-Adha al-Mubarak, celebrating might look slightly different this year. However, nothing can stop us from coming together for celebrating by showing compassion and generosity. To aviation lovers generally, and to SkyTuning aviation lovers precisely, to all Muslims around the world, and on behalf of SkyTuning Aviation family, I am delighted to extend my best wishes of Eid al-Adha al-Mubarak to all of you. May the upcoming days bring a better situation to all of us. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, نتمنى لكم عيد الأضحى مباركة. ندعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الوباء. ندعو بالرحمة لجميع الأشخاص الذين فقدناهم وربي يرزق عائلتهم بالصبر. وندعو بزوال هذا الوباء ورفع البلاء في أقرب الأحوال إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. We wish you a happy and a joyful Eid for you, for your families and all your friends. Konnichiwa ndugu. Konnichiwa collective mondial. Sahaitkom. تقبل الله منا. À l'occasion de Eid al-Adha, on vous souhaite Eid Mubarak. Inch'Allah, nous avons une bonne nuit. À l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak, je vous souhaite la santé, tout le monde est bien. Inch'Allah, nous vous souhaitons bien, dans les meilleures. En attendant, faites attention à vous et à vos proches. La santé est primordiale. Respectez les consignes. Inch'Allah, nous vous souhaitons bien, dans les meilleures. Et je profite de cette occasion aussi de souhaiter la bonne fête à Eid al-Kabir pour tous les Algériens, à titre exceptionnel à toute notre famille de l'aéronautique. On souhaiterait que cette journée se passera dans de bonnes conditions. Donc, Eid Mubarak, l'Algérie. En cette occasion sacrée de Eid al-Kabir, je profite pour vous faire part de mes voeux. Saha Eidkoum. عيدكم مبارك ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا كوم فو سافي لو مون دو لايرونوتيك depuis mois de mars 2020 a été impacté par la crise de la pandémie du coronavirus. De ce fait, nous avons l'espoir dans les prochains mois ou les prochains jours que la situation s'améliore et que nous sortions de cette situation très difficile et pour reprendre notre activité. Je tiens à transmettre aussi nos meilleurs voeux de rétablissement, de prompt rétablissement pour les personnes qui ont été touchées par le virus et aussi nous présentons nos condoléances aux familles des personnes qui ont été perdues. Cette crise aussi n'a pas épargné notre école, SkyTraining Aviation. C'est une situation, comme toutes les entreprises algériennes, situation difficile et même dans le monde entier. Par contre, nous avons vu l'élan de solidarité des entreprises comme la nôtre, où la mobilisation de notre staff pour passer cette situation particulière, la patience de nos élèves, de nos instructeurs, l'administration. Je tiens surtout à souligner cette solidarité et cette mobilisation ensemble en respectant les gestes barrières, en respectant toutes les consignes afin d'éviter la propagation de ce virus. Et bien sûr, tout cela ensemble permettra de passer plus rapidement cette situation-là et de reprendre notre vie normale,
reprendre notre activité chez SkyTraining Aviation. Et je vous souhaite bon courage. Stay safe. S'il vous plaît, protégez-vous et protégez vos familles. Protégez-vous et protégez vos familles. Stay safe. Protect your families. Protect yourself. Stay safe. And don't forget, your lives matter, so stay safe.